L'année, elle a été compliquée. J'ai 26 ans. T'as rien à me dire? Merci. Merci bébé. C'est la première fois que je vous ai vu. J'ai screené la photo de vous deux, vous êtes trop chou. Je suis super contente. C'est moi. On s'est dit qu'on allait commencer par un petit jeu. Il y a des couleurs sur nos cartes. Les points. Merci Papou. Vous pouvez le regarder avec son visage d'ange. Dans 3 heures, il twerkera sur ce tapis. Fais les trucs bien par contre. Nous allons démarrer cette vidéo avec les courses. Enfin, une première partie des courses. On est à J-7, à l'heure à laquelle je commence cette vidéo. Faut que vous soyez indulgents, parce que c'est une nouvelle caméra que je vais utiliser pour la première fois. Du coup, je sais pas si je dois me regarder là. Je vais essayer de vous regarder droit dans les yeux. Soyez indulgents, s'il y a des moments, je la maîtrise pas encore trop, parce qu'elle est nouvelle, je viens juste de l'acheter. Donc promis, je vais faire de mon mieux. On va filer pour acheter, pour le moment, les softs. On va faire un cocktail au cognac. Pour ceux qui savent pas, je suis née à Cognac, je travaille dans les vins et spiritueux. Je fais toujours des cocktails au cognac. À chaque anniversaire, c'est cocktail au cognac. On part direct au magasin. Allons-y. Je vous avoue que c'est un peu chaud quand même. La soirée dans une semaine, j'ai aucune idée de ce qu'on va manger. Je sais ce qu'on va boire, c'est déjà ça, mais je n'ai aucune idée de ce qu'on va manger. Donc c'est quand même un peu chaud. Et surtout là, il pleut. Des cordes une semaine avant. J'espère qu'une chose, c'est qu'il va pas pleuvoir des cordes dans une semaine, parce que sinon, en plus, le thème de la soirée, c'est blanc. Vous imaginez, vous, une soirée blanche en pleine pluie? Bon, on sera abrité quand même, parce qu'on sera dans le... C'est un petit endroit qui fait un peu grange et tout. Mais quand même, quoi. On va croiser les doigts. Là, les gars, on va chercher pour faire 30 litres de cocktail. Il me faut 17 litres de jus de pomme, je crois. Je vais vider le rayon. Je suis vraiment navrée pour l'écologie, parce qu'en plus, je vais prendre des bouteilles en plastique, mais clairement, c'est trop cher. C'est trop cher si je prends pas des bouteilles en plastique. Je vais pas prendre des bouteilles en verre pour le jus de pomme, donc je suis navrée, mais ce sera des bouteilles en plastique. Ok, il faut 1 litre de sirop d'orgeat. Ça m'ennuie de ouf d'acheter des trucs avec du plastique, d'acheter du jus de pomme en plastique, mais sauf qu'en fait, les prix, c'est du simple au double. Malheureusement, je prends aussi ce qui va avec mon budget. Je sais plus combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5. J'avais dit qu'il en fallait 11. 11 fois 1,5. J'ai fait prépa mat en plus, la honte. Ouais, c'est bon. En avant. Je vous rassure, je fais un cocktail pour plusieurs personnes. C'est pas que je suis une fan de jus de pomme, parce que là, j'ai vidé le rayon. On se retrouve le lendemain, il est temps d'avancer sur ce qu'on va faire à manger pour mes ouaves de potes. Sachant qu'un pote de mon père travaille en restauration et nous a donné ce fascicule avec du coup pas mal de trucs qu'on peut acheter. Potentiellement, il y a des trucs végétariens et tout. J'ai dit à mes potes, la veille au soir, c'est végétarien. Le lendemain, on fera un barbecue, mais la veille au soir, c'est végétarien. Donc il faut quand même que je trouve de quoi les substanter. Évidemment, on va faire des trucs maison, hein. Je vais pas tout acheter, mais par exemple, là-dedans, il y a des falafels, des choses comme ça, donc ça peut être pas mal. On va aussi chercher des inspi sur Pinterest pour faire un truc un peu sympa. Là, il y a des pains surprises, mais il n'y a rien qui est végé. Des petits feuilletés. Ça, je vais noter, on peut s'en faire. La gamme végétarienne, même si je ne vais pas prendre évidemment que ça, on va cuisiner aussi. Et ça peut me permettre d'avoir une petite aide quand même. Bon, bah déjà, je pense qu'on va prendre des falafels et des nuggets de pois chiche. À mon avis, ce sera très bien. C'est reparti, il faut que je continue un petit peu les courses. Je prenne des softs parce qu'on va faire un jeu de création de cocktail. De l'eau pétillante, du jus d'orange, du jus d'ananas, du jus de pêche, de la ginger beer. Mon
père du coup a passé la commande à son pote, donc ça c'est fait. Il faut que j'aille chercher des bières, il faut prendre la brioche pour le matin, il faut prendre de quoi faire les gâteaux, quand même de quoi faire des trucs un peu nous-mêmes pour l'apéro, des petits feuilletés, des petites choses comme ça. Mais on est déjà pas trop mal avancé. Ça y est les amis, on est la veille de mes 26 ans, c'est très bizarre. L'année, elle a été compliquée. Je suis hyper reconnaissante parce que pour être très honnête avec vous, les réseaux, à quel point ça s'est développé, etc. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée de l'année de mes 25 ans. Elle n'a pas été simple, hein, celle-là. Franchement, que ce soit physiquement avec mon genou, la rupture qui m'a fait perdre une personne que j'aimais énormément et que je voulais vraiment garder très longtemps dans ma vie. Ça y est, j'ai 26 ans. Je crois que ça a été une des années où j'ai le plus pleuré en fait. J'ai fait énormément de choses, mais vraiment, je vous le dis, les réseaux, ça a été à peu près la seule chose qui a fonctionné. L'année de mes 25 ans. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup d'erreurs cette année. J'ai fait beaucoup de mal aussi. Pas énormément dormi. Je me suis pas mal négligée physiquement. C'est ça qui a fait que je me suis blessée et que j'ai dû me faire réopérer. Je vais m'écrire une lettre pour que dans un an, j'ouvre cette lettre et je me dise. Ah ouais, je vais m'écrire une lettre un peu sur du papier Diddle. Si j'avais su à l'époque que je me serais servi de mon papier Diddle que je gardais comme si ma vie en dépendait quand j'étais primaire pour faire la collection, pour m'écrire des lettres, on va manifester un peu ce qu'on veut dans notre vie. Maman, t'as rien à me dire? Merci maman. Il y a 26 ans, t'étais en train d'accoucher. Ben, j'avais accouché. Je me souviens que je te regardais. Je sais pas ce qui se passait. J'avais la tête, mais anesthésie. J'étais comme ça couchée. T'étais couchée comme ça. T'étais toute rouge. Et tes lèvres rouges, rouges, rouges. T'étais belle. Oh là là. T'étais superbe. Et là, je me disais, ça y est, les emmerdes commencent. C'est un mini mois qui te sort du ventre quand même. C'est pas rien, tu vois. Oh, ça me dégoûte. Bon, ben voilà. Puis après, t'as ça, 26 ans après. Allô, beau gosse! Ça va, beau petit Oui, et toi, mon chat? Bon anniversaire! Merci, ma vie! Ah, avec ce bon petit temps pluvieux, ça va être génial! From soirée blanche, tout soirée t-shirt soirée, mouillé, quoi! Je dis coucou en plus, je sais même pas qui rentre dans la maison, je dis coucou! Oh, tu m'as ramené tout un bouquet! Petit cœur, merci! Merci beaucoup. Les fleurs des saisons. Ah super, merci à toi. On peut prendre un pack de chaque. Ouais. Ça fait 40 okay. milliards. Ah ouais. Non mais mon papou, à chaque anniversaire il m'amène des fleurs. Et hier soir je lui ai dit tu m'amènes pas des roses parce que les roses c'est pas de saison. Si t'amènes des fleurs, prends pas des roses. Bon, il est allé me chercher des fleurs de saison. Il est trop mignon, je le vois trop, il a dû dire à la dame je cherche des fleurs de saison. Petit cœur. Bonjour ma beauté! Ça va? Oui, et toi? Oui, bon anniversaire! Merci! Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu, meuf? Bonjour! Je suis cuite! Bon anniversaire! Merci! Ça va? Ouais, tu t'es fait tout beau! Hein? Je suis cuite! Je suis cuite, il dit Daphné, t'as trouvé ça où? Faut pas que je pisse genoux quand je redescends. Si Bon, on descend. Venez avec le dégoût. Hein. Merci, boss. De la boss. À vendredi. À vendredi. Bisous, merci, bébé. Allô. Allô, mamie, coucou, t'as essayé de m'appeler? Oui, bon anniversaire, ma chérie. Merci, mamie. Ça va? Oui, ça va, je rentre juste de chez le kiné, là, tu vois. Allô. Salut bonjour. Mamie, ça va? Bon anniversaire. Merci mamie chérie. J'étais chez le kiné. Et ça se passe bien le kiné? Ouais, ça se passe très bien.
Ça y est, j'ai eu les grands-mères au téléphone, donc ça c'est une bonne chose de fait. On va quand même travailler un peu parce qu'il y a des trucs à sortir, c'est pas parce que c'est mon anniversaire qu'il faut pas continuer à créer des contenus. Faudrait que je filme un Reels pour une collab avec une marque. Bon, changement de programme finalement, il y a ma mère qui vient me chercher, on va aller manger des sushis vite fait côté de la maison pour mon anniversaire, toutes les deux. Et je filmerai la collab après parce que là, j'ai pas le temps. Anniversaire pluvieux, anniversaire heureux. On a eu à 14h. Pour manger, en revenir. C'est que it's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine, I'll find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. Bon, la partie un peu moins drôle, c'est qu'il y a un moment quand même où j'ai une réunion de travail, là cet après-midi. Et regardez qui j'ai retrouvé! Salamouche! Oh mon petit cœur d'amour! Oh là 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 là! Est-ce que vous aussi vous parlez bizarrement comme ça quand vous touchez votre animal de compagnie? Mais t'es trop mignon toi, t'es trop mignon! Bonjour! Bonjour Daphné. Bonjour Daphné. Salut Daphné. Hello. Voici les dessous de la création d'un Reels pour une marque. Donc là, je dois faire un Reels en collab avec l'arbre verte pour mettre en avant leur lessive qui est grave clean, la compo est clean, etc. Vous allez me voir filmer, balancer la lessive, en verser, faire des close-up, etc. Bref, tout ce dont j'ai besoin pour construire ma vidéo. You had said another glass won't kill you, right? Gladly she replies, like a few moments later. Je suis encore en train de faire des courses. On va prendre de quoi faire des petits feuilletés, on va prendre de quoi faire des croque-monsieur. Et bon anniversaire. Oh merci. Ça va? Oui. Et toi? Oui ça va. Oh mais faut pas me faire un. Le reste ça arrivera samedi. Faut pas me faire des cadeaux. Fallait marquer un peu le coup pour y aujourd'hui. C'est quoi? Oh il passe. Alors déjà parce que juste je la trouvais trop belle dans le magasin. Ah vas-y je la. Je trouvais ça trop mignon. Ah ouais c'est trop mignon. Mais je marche dans l'eau moi aussi mais ça va pas au cool. Aïe. Oh là 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 là, Marie, j'ai un problème. Marie, j'ai un problème. Tire dessus, s'il te plaît. J'ai qu'une main, en fait. Bonsoir. Coucou. Merci. Merci. Daphné. Bon anniversaire. Enchantée, merci. Toi. Ah, merci, bébé. Coucou, ma gueule. Merci, bébé. Mais oui. Ah bah, ils ont levé vous, là. Le vrai daron. La belle gueule. Ça va? Elle est fraîche. Ah, t'es encore plus fraîche que moi, toi. Tourne. Ah, prends ma main. Quand j'aurai un vrai bébé, je suis à ça de sortir mon sein, là. C'est l'instinct maternel, je crois. Parce qu'en ce moment, sur Insta, je mets les gens célibataires. Vous avez des meufs qui vous ont ajouté tous les jours? Ouais, que c'est célibataire. Moi, je prends une forme à distance. Santé. C'est trop bien parce qu'on va bouffer des graines. Mais on va pas bouffer des graines, j'ai fait commander des trucs hyper bons, grognasse. C'est bon, gars. Les gars, c'est bon. Ok. C'est la première fois que je souffle une bougie. Ouais, dis-toi, ouais. Je sais que. Ça te dit quoi? T'es complètement ravagé, toi. Bon, en tout cas, sachez que les jeux pour samedi soir sont prêts. Il y a quoi comme jeu? Pas mal. Bah, surprise. Un truc en équipe et un truc en solo. De la lutte. Du judo, frère. De la course paro. Moi, je vais me faire une. Les amis, on est le jour J.
Ça y est, les cops qui arrivent dans une heure à la gare. Donc là, je vais juste faire les dernières courses. Alors la problématique en revanche, c'est que hier soir, je suis allée chez mon papa parce qu'aujourd'hui c'est anniversaire de mon papa. Ce soir, on fait ma fête d'anniversaire chez mon papa. Et hier soir, j'y suis passée parce que lui faisait une fête avec ses copains. Mais il fait trop froid, genre vraiment. Là, le soir, il fait 8 degrés. Bon, on est quand même dans un endroit un peu clos. Genre, c'est la grange, elle est fermée parce qu'il y a des portes en bois et tout. Mais quand même. Je sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on va se rapatrier à l'intérieur. J'ai dit à tout le monde de prendre des pulls, des manteaux et tout. Bon, on verra ce soir. J'ai d'autres chats à fouetter for now. On va aux courses. Coucou. Ah, coucou ma belle. Ça va bébé? Coucou bébé. Non, ça va. Ça va? On a pas du tout, ouais. Oh, après l'heure, c'est plus l'heure. Donc tic et tac, on va s'asseoir et on y va là. Allez, zou. Bonjour ma belle. Au revoir. Mais ça fait un quart d'heure qu'on vous attend. C'est belle. Moi, tu pars. On est à l'heure. Ouais, petite dame, petite dame. Tu crois que je vois pas ta tête d'innocent là? Ah bon? Et tu prends soin de mes copains? Non. Parce que là, t'as Sarah et Hugo que j'ai rencontrés quand j'étais en stage et Clairette que j'ai rencontrée à l'école de commerce. Vous connaissez? Ça va pas ou quoi? Outfit of the day. Non, tu manges pas la tarte, hein? Mais ça va pas ou quoi? Bref, ça a été? Ça a été? Aïe, 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 aïe. On the road again. Ça y est, nous sommes arrivés chez Lionel la star. Et là, ça coupe, coupe, coupe. J'ai chopé des petits commis, regardez-les, mes petits commis qui font. Mais ça va beaucoup, l'eau. Ils sont partis où la moitié des commis là? Bah ils sont tous barrés, tu les payes pas assez. Petit commis, mais plutôt commis électricien là. Commis perdu. Bon, on est en train d'organiser avec Justin la chasse au trésor. On va cacher des ingrédients un petit peu partout. Les ingrédients sont juste là, on va aller les cacher et ils vont devoir réaliser des cocktails avec... La danse. Ouais, la danse, la sacrée danse. C'est drôle, je fais un mariage. Ouais, bah ouais. Les filles, est-ce que vous avez du maquillage pour les yeux éventuellement? Ouais, je veux pas. Palette, j'en ai une. Palette, hop, Urban Decay, tu connais. Comment ça, madame? Ma belle. Ah ça, oui, avec plaisir. Tu veux des pinceaux aussi? Ah bah, avec plaisir. Oh, elle avait déjà vu, je Bon anniversaire, on est trop contents d'être là. Au top. Je suis super contente de faire. Waouh, waouh, c'est trop tôt pour ça, même. Je suis super contente que vous soyez là. Salut Arthur, Daphné. Enchanté. Bonjour. C'est moi. C'est moi. Ça y est, je crois que quasiment tout le monde est arrivé. Je suis super contente. J'ai tous mes copains réunis au même endroit. Ça me fait tellement plaisir. Bonsoir. La princesse. Oui, mais non, mais ça va le faire. Je me suis dit si je la mets pas soin, ça. Oui, ça va et toi? Ça va. Ça va, mousse ou d'amour? Oui, et toi, petit cœur? Coucou. Merci, Daphné. Merci. S'il vous plaît, tout le monde. Dave veut dire quelque chose à tout le monde. Regarde. Messieurs, dames, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de vous avoir ici. C'est pour ça que j'étais là. On s'est dit qu'on allait commencer par un petit jeu, hein, un peu pour se mettre en jambe. Allez être répartis en quatre équipes. Mais non, mais je crois qu'on est chaud. Vous avez une demi-heure pour constituer avec votre équipe le meilleur cocktail qui soit. Les juges étant mon acolyte Justin et moi. Les ingrédients sont cachés. On est bien profond là-bas. Il y a des ingrédients qui sont cachés dans la maison et dans le jardin. Pour ça, chaque équipe, vous allez avoir un plan avec un code couleur. Vous avez plusieurs points dessus et il y a trois catégories que vous devez trouver. Des alcools, des softs et des garnishes. Les garnishes, c'est pour mettre un peu sur le cocktail ou pour donner un peu de goût. L'équipe numéro 1, s'il vous plaît, doit s'avancer. Avec comme chef d'équipe Camille. Attention. Dans l'équipe de Camille, il y a Alexandre. Il y a Claire et il y a Flavie. L'équipe numéro 2 est menée par Marie. Il y a Mathieu, Maëlia, Arthur et Manon. L'équipe numéro 3 est emmenée par Guillaume. Oh là là. Il y a Hugo,
Marianne, Loraline et Papa. Moi, je avec Lionel, qui est menée par Antoine. On a ramené une bouteille de vin. Ben, Clémence, Sarah, Lali. Il y a des couleurs sur nos cartes. Les points. Merci, Papou. Voilà. Okay. Par contre, faut qu'on goûte parce que c'est pas le tout ça. On a vraiment de un alcool par équipe. Ça trouve ici ou quoi? Tu nous as pas dit, ça vient blanc mais mal. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas en train de tourner avec les autres équipes, moi j'en sais. Valentin, Guylaine. Le thème c'est blanc bébé. C'est déjà très bien. Merci. J'ai une chemise. Ah, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Lionel Brouillet, c'est pas parce que c'est ton anniversaire. D'ailleurs, on peut se dire peut-être chanter joyeux anniversaire à Lionel. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous pouvez le regarder avec son visage d'ange dans 3 heures, il twerkera sur ce thème. Nous allons donc écouter l'équipe numéro 1. Donc, c'est un cocktail que nous avons appelé le cocktail d'Halloween. En fait, nous avons réalisé qu'il était fait à base de produits qui n'allaient pas du tout ensemble. C'est pour montrer que les apparences sont très bien. Jamais jugé sur le physique, toujours encore plus loin que le physique. Regarde, il a pas l'air... Bon, ça va. Non, mais voilà. Franchement, vu ce qu'on avait, c'est pas mal bouchant. Elle fait une vraie dégustation. Très bien. Ah, moi je suis premier degré hein. Ok. Ok. Merci l'équipe 1, on va appeler l'équipe numéro 2. Bravo, bravo l'équipe 1. Ça va ma vie? Toujours. C'est ton vlog. Coucou le vlog. Pour moi. Ça va Mathieu, ça se passe bien? Je suis très content, oui. La soirée est formidable. La soirée est formidable. Tu kiffes ce cocktail? Ah, le cocktail est incroyable. Ouais. A few moments later. Je suis fatiguée, la minuit là. Là ça y est, c'est l'heure. C'est la fatigue qui commence à s'installer. J'ai remis mon bulle carrément. Oh, Manon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Daphné. Fais les trucs bien par contre. Ça va. Mais t'es trop chou. Et en fait, maman. En plus, c'est moi. Ça. C'est bon, mais regarde. Je te mange. Un petit mot. Allez, bon anniversaire Dada. On t'aime. Bon anniversaire ma chérie. Un petit mot. Oh mais va te faire foutre. Outfit of the day. On vous les présente plus. Les tartes aux pommes. Des jeans. Ça va pas au poil. C'est une bonne soirée et on va bientôt goûter les gâteaux et moi j'ai très hâte de les goûter. Waouh. Bien le bonjour. Soirée mouvementée. Petite nuit. Et on va tout ranger les amis. Oui carrément. Si t'en veux, t'aimes bien la belle de briller, tu peux la prendre si tu veux. Sorry bro. Oh, no, sorry. I can't, sorry. C'est vous les fâchés. T'aimes pas quand ça... Non mais bon, j'accepte que vous m'appelez Mamie Coco jusqu'à mon dernier jour. On te remercie quand même. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai bien assimilé la soirée, j'ai récupéré un petit peu de cette soirée absolument mémorable et qui était juste géniale parce que j'avais
tous mes amis avec moi, que ce soit les amis d'enfance, les amis plus récents et tout, enfin franchement, mais c'était dingue. J'ai passé un trop bon moment et tout le monde m'a dit que c'était une soirée géniale, donc je suis trop contente si tout le monde a kiffé. C'est vraiment le but du jeu. Au final, moi j'étais un peu partout, parce que bon, quand c'est comme ça en fait, au final, t'es avec tout le monde, mais t'es avec personne, t'essayes de faire en sorte que tout le monde soit bien, tu discutes avec tout le monde, mais en fait t'es là plutôt à ramener la nourriture. J'ai été aussi ultra gâtée, vraiment c'est abusé, j'ai été trop gâtée. Je vais vous montrer ce que j'ai eu, ce que mes amis m'ont acheté. J'ai eu un petit appareil photo comme ça, digital. C'est le Nikon Coolpix A300 qui permet de faire des petites photos comme ça, digitales. Trop bien, faut encore que j'arrive à le maîtriser et que je fasse les réglages nécessaires pour que tout soit bien. Mais franchement, génial, je suis trop contente de ça. J'ai également eu un truc que j'avais sur ma wishlist depuis des années. Il s'agit de la vague comme ceci en Lego. C'est un tableau d'un artiste japonais et là du coup tu le fais en Lego et ensuite tu peux clairement genre l'afficher chez toi, etc. Enfin tu peux vraiment t'en servir et tout. Comme une pièce décorative quoi. Donc je trouve ça vraiment trop sympa. J'ai une copine qui m'a fait une banane à la main. Genre elle me l'a cousue entièrement à la main. Et je suis une fada de banane, j'en porte tout le temps, donc vraiment c'est trop génial. J'ai aussi des copines qui m'ont offert une chemise Ralph Lauren upcyclée d'une friperie que j'adore à La Rochelle. Elle est trop sympa et j'en ai déjà deux, des chemises comme ça. Donc ça en fait une troisième en blanc comme ça, en plus je l'adore, elle est géniale. J'ai une copine qui m'a offert une affiche avec les différentes couleurs du vin. L'affiche elle est géniale, j'ai trop hâte de la mettre dans un grand cadre, de la mettre sur un mur parce que vraiment elle est canon. J'ai aussi reçu pas mal de moments, en fait j'ai des copains qui m'ont offert plutôt des moments plutôt que des choses matérielles et je trouve ça aussi trop génial. J'ai eu une heure dans un spa à Bordeaux, chez des copains à Bordeaux, et c'est un spa en fait où tu vas et tu flottes pendant une heure genre dans une espèce d'eau très très salée, mais du coup tu vas faire une heure de flottaison quoi. Je trouve ça trop bien, c'est un truc un peu détox et tout. Ensuite de mes copains de Paris, j'ai eu un atelier de jardinage sur balcon. Pour moi qui ai un appart à Paris, c'est juste génial. Je suis trop contente, vraiment, et j'ai été trop gâtée en fait. Franchement, c'est abusé. Je m'attendais pas du tout à recevoir autant de trucs, donc si jamais mes amis passent par là, merci infiniment, je suis hyper touchée. Voici pour mes petits cadeaux d'anniversaire. Franchement, fêtez vos anniversaires. Fêtez vos anniversaires parce que c'est la seule occasion qu'on a dans l'année, genre de regrouper tous les gens qu'on aime au même moment, au même endroit, et ça, c'est juste trop pépite en fait. La plupart du temps, quand vous faites des soirées, après, il y a toujours des gens qui sont pas là, qui sont à droite, à gauche et tout, mais là, ça permet vraiment d'avoir tous les gens qu'on aime dans un seul et même endroit. Et pour moi, c'est hyper précieux. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.